Do you know what is rugby or no? No? Have you seen on TV? Ils ne connaissent pas le rugby, n'ont jamais vu de match et ils sont volontaires pour en apprendre les rudiments. Cette initiation au rugby est proposée aux demandeurs d'asile arrivés il y a 2 mois et logés à l'ancien Formule 1 de Pau. Ils ont entre 18 et 50 ans. Le ballon ovale, une ouverture sur une culture qu'ils ne connaissent absolument pas. Le rugby, c'est un sport collectif d'entraide, donc il y a beaucoup de valeurs dans ce sport et on espère à travers les quelques interventions qu'on aura développer ces valeurs pour qu'ils s'en imprègnent. La moitié du groupe vient du Soudan, l'autre d'Afghanistan. Pour l'instant, ils ne parlent pas français et c'est même la première fois qu'une activité leur est proposée. C'est la première fois que je joue au rugby et c'est très difficile. Et en quoi c'est difficile? Je n'avais jamais vu ça, donc je découvre. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Vous avez beaucoup ri? Oui, c'était super sympa. Et c'est le comité du Béarn Rugby qui est à l'origine de cette initiation. Il y a des problèmes peut-être de langage, mais moi je vois des sourires et je pense que c'est très important aussi, ces sourires et se vivre ensemble pour tout le monde. Et après ce magnifique essai, l'objectif c'est de pérenniser l'initiation au rugby une fois par mois.